Rigobert Song était hier à Douala pour une messe d'action de grâce organisée en l'honneur de Samuel Eto'o. Aussi, quelques anciennes gloires étaient présentes pour soutenir le président de la FECAFOOT. Nganou réapparaît dans un nouveau film, Rebel Moon. C'est donc le nouveau film dans lequel réapparaît notre prédateur. Contre Hull City, c'est Ben Elliott qui contribue à leur victoire donc, lors de ce match-là. Et Semé Emmanuel, fin de parcours en Jeux Olympiques. Il a arrêté son parcours en demi-finale. Il a été éliminé, 4e place. 5 contre 1, ça c'est la victoire après la débâcle en Champions League de Riga FC avec Fabrice Ondoa. Bonaventure Njonkep et Birwe sont les entraîneurs de Coton Sport. Voilà les quelques sujets qui vont nous occuper dans les quelques minutes qui suivent. Je vous laisse écouter d'abord l'intervention de Samuel Eto'o et je vous reviens. Les uns contre les autres, sans véritable raison. Ils changent de veste au gré de leur intérêt de nous transférer. Ce qui offre parfois une idée. Et nous rions, nous recevons parfois des commentaires, des choses qu'ils écrivent sur leur page. Et nous nous disputons, nous prenons ce précieux temps que Dieu nous a donné pour débattre. Sur les gens qui font de l'argent sur nos dos avec des mensonges. C'est nous rions. Alors, je ne veux pas être plus long parce que le travail que j'ai donné à ce moment, c'est de parler de moi. On parle de moi parce que je suis de là. Que lui commande sur quelqu'un qui n'a pas fait les études. Ils ont fait les grandes études, ils sont devenus. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je n'ai pas fait les grandes études. Je suis numéro 1. Et il le sait. Je dis ce que je pense. Je vois mon grand frère Bernard tout à l'heure là. Mon aîné Lucien Métomon. J'ai eu le plaisir de jouer avec lui. Je n'ai pas changé, j'ai toujours été. Quand vous n'avez pas triché, ils sont nombreux ici, ne vous cachez pas. Notre jeunesse a besoin de bons repères. Des gens qui ont bien travaillé. Et ça, c'est l'exemple. Frère, pour terminer, je vais vous dire que je vous aime. Et quiconque vous touche, je dis bien, quiconque vous touche, là-bas. Alors, après avoir joué dans Fast and Furious, maintenant c'est dans Rebel Moon que Francis Ngannou va démontrer son talent d'acteur. Il est donc dans ce film-là qui va paraître donc le 22 décembre. Voilà, nous avons découvert ce petit trailer concernant ce film-là il y a de cela quelques heures tout simplement. Alors, le Predator est désormais un acteur de renom dans le cinéma, je dirais pas seulement américain, mais je dirais mondial. En attendant son prochain combat, il frappe d'abord les gens dans les films. Essaimé Emmanuel, fin de parcours en Jeux Olympiques, 4e position en demi-finale avec 10-0-0. Ces quelques 10 secondes n'ont pas suffi pour pouvoir le qualifier en finale. Malheureusement, notre lion indomptable va retourner à la maison, mais il a essayé ce qu'il pouvait jusqu'à demi-finale. Riga FS avec Fabrice Ondoa, comme je le disais, ont fracassé une autre équipe en championnat 5 buts contre 1. Donc c'était après le débâcle en Champions League, en qualification de Champions League, ils ont pu venir à bout de Meta LU 5 buts contre 1. Alors maintenant ils se préparent pour le 8 août prochain contre Santa Coloma, ce sera maintenant en qualification de Europa League. En attendant, ils vont d'abord se réjouir de cette grosse victoire de 5 buts contre 1. Il n'y a pas eu malheureusement du clean sheet pour Fabrice Ondoa, mais c'est déjà quelque chose de positif pour le mental. Je vous le disais, Bonaventure Njonkep et Minkreo Birwe s'engagent respectivement comme entraîneur principal et entraîneur adjoint de Coton Sport de Garoua pour une durée renouvelable de 1 an. Ça, c'est les actualités sur le football local.
Et les deux, comme je le disais, vont donc prendre service à partir de cette saison 2024-2025. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette petite série d'échanges concernant les actualités. Je vous laisse donc regarder les quelques photos et retrouvons-nous dans la prochaine publication. Ciao! Thank you.